Après le drame de Solhan qui a fait officiellement 132 morts, on compte à ce jour plus de 7000 personnes ayant fui la commune rurale de Solhan. Des déplacés qui ont visiblement besoin d'aide, un SOS est lancé par l'association des ressortissants du Yaga. C'est une initiative du chef de l'État qui vise à permettre aux élèves issus des ménages défavorisés de poursuivre sereinement leur cursus scolaire. Plus de 488 milliards de francs CFA sont débloqués sur 5 ans à cet effet pour améliorer le menu des cantines scolaires. Les acteurs de la filière sésame font face à des difficultés liées à la réglementation commerciale du produit. La méconnaissance des tests serait la cause. Pour y remédier, ils réfléchissent sur les mécanismes de relance de la filière et le e-commerce serait une opportunité pour eux. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. 10 jours après les tueries de Solhan qui ont fait 132 morts, cette commune rurale s'est vidée de ses habitants. Plus de 7000 personnes ont trouvé refuge à Séba, chef-lieu de la province. Des déplacés qui ont besoin d'aide. Au cours d'un point de presse, l'association des ressortissants du Yaga a lancé un SOS. Présent à cette conférence de presse, l'adjoint au maire de la commune de Solhan est revenu sur l'une des polémiques qui entourent ce drame. Il persiste et signe, les terroristes sont bel et bien revenus sur les lieux du crime la nuit d'après. Les explications de Abdourazak Traoré. C'est depuis Ouagadougou, loin des terres de leurs ancêtres, que ces ressortissants de la province du Yaga lancent un SOS. Yaga, où est située une certaine commune appelée Solhan. Solhan la meurtrie, Solhan le village fantôme désormais vidé de ses populations. 7500 d'entre elles se sont réfugiées à Séba, à une dizaine de kilomètres des lieux des tueries. 10 jours après, où en sommes-nous avec leur prise en charge? La ministre de l'Action humanitaire a ordonné de distribuer des vivres aux déplacés. Et c'est ce qui a été fait. Après cette distribution, nous avons reçu des ONG et des associations, en tout cas qui ont œuvré pour soutenir ces déplacés internes. Et visiblement, toutes ces actions demeurent insuffisantes, d'où l'appel du jour à venir en aide aux déplacés internes. Face aux nombreux appels d'amis du Burkina Faso et d'ailleurs pour faire parler leur cœur, l'association a vu la nécessité de créer 2 comptes mobile monnaie pour recevoir des dons en nature et en espèces. Le compte orange est le 06 81 20 82. Le compte mauve est le 01 34 11 11. L'ARI dispose en outre d'un compte de caisse populaire, à savoir le 3301B131053, pour recevoir des dons en nature. L'association créée depuis 2014 n'est pas à son premier geste à l'endroit des populations. Pour cette action, elle va au-delà de l'appel. L'association des ressortissants du Yaga appelle l'exécutif à prendre des mesures pour sécuriser les 6 communes de la province en proie à l'insécurité depuis plus de 2 ans. Des 6 communes, il n'y a que 2 qui disposent d'un détachement militaire. Le gouvernement est appelé à revoir son dispositif à ce niveau au regard de la gravité de la situation sécuritaire. En ce qui concerne la polémique sur les chiffres relatifs aux morts de l'attaque de Solhan, l'association s'en tient au bilan gouvernemental. Mais à propos des informations démenties par le communiqué de l'état-major général de l'armée, l'adjoint au maire de Solhan se veut formel. Les terroristes sont bel et bien revenus la prochaine nuit après les massacres. Ça, c'est ça qui est dans la polémique d'aujourd'hui au niveau des gens. Ils sont revenus et puis ce jour même, ils ont pillé d'autres boutiques et puis incendié le CSPS de Solhan. Voilà ce qu'on peut être témoin. Bon, le reste, ça, on ne peut pas rentrer.
Mais ce qui est sur le terrain dans notre commune, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi ils sont revenus? Les terroristes sont donc revenus moins de 24 heures après l'attaque, selon l'adjoint au maire. En réalité, Solhan est dans l'œil du cyclone depuis plus de 2 ans. Durant cette période, les incidents sécuritaires se sont multipliés. La mairie a été incendiée. Le conseil municipal travaille d'ailleurs à partir de Séba. Le deuxième adjoint au maire a été tué lors d'une attaque. Son remplaçant, lui, a été enlevé. Plusieurs écoles demeurent fermées et des villages inaccessibles. Foi de Youssoufi Sow. Et puis, ce drame de Solhan qui est actuellement sur toutes les lèvres, le sujet fait actuellement polémique et les organisations de la société civile donnent de la voix concernant la création des forces spéciales annoncées par le chef de l'État. Le CED de Pascal Zaïda et le M21 de Mathias Tankwano estiment que les forces spéciales n'ont pas lieu d'exister. Leur suppression est recommandée pour le cadre du dialogue social et le forum de la réconciliation nationale annoncé. Ils demandent que ces questions soient sérieusement abordées. Mathias Tankwano et ses collaborateurs annoncent des actions dans les prochains jours. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, l'une des clés pour parer à ce climat conflictuel serait que les fils et filles du pays regardent dans la même direction. C'est la conviction des premiers responsables de l'appel de Manega, cette initiative qui vise à promouvoir le vivre ensemble et la réconciliation nationale. À l'occasion de la célébration de l'an 2 de cette initiative, plusieurs actions en faveur de la promotion de la cohésion sociale sont au programme. Il y aura notamment une marche dénommée « Un pas vers la réconciliation ». Il y aura également la distinction de plusieurs personnalités qui auront œuvré à la paix et à la réconciliation. Parmi eux, le chef de l'État, Rochmak Christian Kabore. Plus de précisions avec Luc Pagbelguet. C'est le 15 juin 2019 que l'appel de Manega voyait le jour après 100 signatures de personnalités culturelles, sociales et politiques. 2 ans après, cette organisation de la société civile d'activisme et de plaidoyer pour la réconciliation et la paix revient sur le chemin parcouru. Pour l'an 2, il est prévu des activités, des faits et des gestes de promotion des valeurs et des principes modèles par lesquels l'appel veut impacter la société burkinabé. Un panel interculturel est prévu à Boussé le 19 juin, une marche dénommée « Un pas vers la réconciliation » à Zignaré le 26 juin et une cérémonie de distinction et de mérite des personnalités désignées artisans de paix et de réconciliation est au programme le 26 juin également à Zignaré. Une marche parce que quand on marche, on va vers un objectif. Quand on marche, c'est dynamique. Quand on marche, on se tient dans la direction. On a une trajectoire. Et c'est ça qu'on voulait, parce que c'est intitulé quoi ? Un pas vert. Et si on est assis, bien sûr, on n'arrivera pas. Mais si on marche, on a l'espoir d'arriver. Donc, un processus est une marche. Donc, pour nous, cette marche-là, c'est la marche du processus vers l'objectif qui est la réconciliation. Le thème retenu pour la commémoration du 2e anniversaire de l'appel de Manega est « Les médiateurs traditionnels et les mécanismes culturels de réconciliation, de paix et de pardon ». L'objectif visé est d'apporter des éléments endogènes à la stratégie de réconciliation. Pour ce faire, Jacques Ouédraogo, citoyen protagoniste dans l'affaire Pazani, et Rochmak Christian Kabore, chef de l'État, sont retenus comme modèle de promotion de la paix. L'attitude et le geste de M. Jacques Ouédraogo, j'imagine que s'il avait fait comme les autres protagonistes, on serait allé au conflit. Donc, ce que M. Jacques a fait ici, au-delà de tout, ce qu'on retient, qui est bien et qu'on doit enseigner comme valeur, c'est que face à son intérêt particulier, personnel, on peut plus léger, on doit plus l'intérêt collectif. Donc maintenant, c'est un processus éminemment politique. Et si vous dites que c'est un processus éminemment politique, on n'a pas autre choix que d'aller vers les politiques.
Et la politique, en premier chef, c'est nous avons donc le chef de l'État, en fait, qui est interpellé. Parce que ça peut dépendre de sa volonté. L'appel de Maniga se dit être embarqué dans le train de réconciliation mis en marche par le gouvernement. Il appelle du fond du cœur à un meilleur aboutissement de la réconciliation nationale, réel chemin pouvant conduire à de vraies et sincères solutions favorables à la paix et à l'unité nationale au Burkina Faso. L'initiative du président du Faso intitulée « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour » est un vaste programme de modernisation des cantines scolaires car l'ancienne formule de gestion de ces cantines a montré ses limites. Pour ce faire, plus de 448 milliards de francs CFA vont être débloqués pour améliorer le dispositif sur 5 ans. Le projet sera officiellement lancé demain jeudi 17 juin. Mais en avant, les ministres concernés ont expliqué cette initiative du chef de l'État aux hommes de médias. C'était hier au cours d'un point de presse. Arsène Kountamdi. Le gouvernement burkinabé veut faire en sorte que tous les enfants en âge scolaire au Burkina Faso puissent avoir au moins un repas équilibré par jour. C'est un projet qui permettra de donner des appuis techniques et matériels aux agriculteurs et aux éleveurs afin qu'ils puissent produire des aliments destinés principalement aux cantines scolaires. L'idée est de s'assurer que chaque enfant en âge scolaire, inscrit ou non inscrit, puisse bénéficier de repas équilibrés tous les jours pendant 9 mois à domicile ou à l'école. Dans cette nouvelle vision, le parent d'élève, producteur de denrées alimentaires, sera fournisseur de la cantine scolaire de son enfant. Une implication avec une double portée. En effet, en plus de pouvoir écouler aisément sa production et améliorer ses revenus, il donne l'assurance à son enfant d'avoir au moins un repas équilibré par jour. L'enseignant aura donc un élève dans de meilleures dispositions d'esprit pour apprendre. Ce n'est pas une initiative qui vient remplacer les cantines scolaires. Au contraire, elle vient améliorer la gestion des cantines et la qualité des repas servis aux enfants. Au départ, on va s'appuyer effectivement sur l'existant, travailler à améliorer et à étendre. Et puis au fur et à mesure, ça va s'adresser à tout le monde. Mais ce n'est pas un projet qui va aller acheter des vies et partager à tous les enfants en âge scolaire ou aux familles. Et l'année scolaire se termine le 17 juin. Et puis les enfants reviendront le 1er octobre. Mais ils ne vont pas revenir à l'école pour manger. Là, c'est fini. Ils doivent manger à la maison. Et ils doivent manger des repas équilibrés pour ne pas perdre donc ce qu'ils ont obtenu étant à l'école pour revenir. Le ministère en charge des ressources halieutiques est aussi mis à contribution. Le département de Modeste Yerbanga va apporter un appui aux ménages pour la production avicole et piscicole pour couvrir les besoins nutritionnels. Nous intervenons au niveau de cette initiative-là à travers 4 produits majeurs. Il s'agit essentiellement du lait, il s'agit également du miel, il s'agit du poisson et également de la volaille. Au niveau de chaque sectoriel, il y a déjà des projets qui existent. Et nous allons orienter ces projets autour des établissements et d'enseignement de sorte à ce que les productions qui seront effectuées par les ménages puissent aller de façon prioritaire à l'endroit des cantines. Le coût total de l'initiative est de 488 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Le financement sera assuré à 52% par le budget de l'État, 47% par les partenaires techniques et financiers et à 1% par les communes et communautés de base. Je vous le disais en titre, les acteurs de la filière sésame font face à d'énormes difficultés liées à la réglementation commerciale du produit, des difficultés qui sont liées également à la méconnaissance des tests en la matière. Pour y remédier, ils prennent part à un atelier d'information sur les principes du marché. L'idée étant de trouver de meilleures solutions pour la relance de la filière sésame, elle qui constitue le 3e produit agricole d'exportation du pays. Et le e-commerce serait une opportunité pour eux. Benjamin Kwame. Les recettes commerciales du sésame s'élèvent à 361 milliards de francs CFA selon la balance commerciale de 2015 à 2019.
Une grosse performance qui a permis au Burkina Faso d'être classé 9e exportateur mondial en 2019. Une source importante d'entrée donc de devises pour le pays. Mais sur place, les acteurs font face à d'énormes difficultés liées à la commercialisation, liées aux achats bord champ, au non-respect du cahier de charge pour l'exportation du sésame ou encore au non-respect du prix en début de campagne. C'est donc pour sensibiliser les acteurs, mieux être informés et adopter de nouvelles méthodes que cet atelier se tient. Il serait vraiment dommage et que malgré les transactions commerciales que vous faites tous les jours sur le sésame, que vous n'ayez pas assez de connaissances sur les textes et les règles qui régissent la commercialisation du sésame pour vous financer. Donc, une chose est de vendre, mais l'autre chose est de savoir comment vendre, quand vendre et où vendre pour mieux profiter de ses propres efforts. Nous, notre difficulté au niveau du sésame, c'est la commercialisation. Les textes, il y en a beaucoup. Voilà, il y a les cahiers des charges, il y a les différents textes qui sont là. Mais l'application cause défaut. Voilà, nous sommes ici pour vraiment suivre avec nos acteurs et les réglementations sur le commerce. Le gouvernement a déjà introduit des actions dans ce sens en élaborant un cahier de charges pour l'exportation du sésame burkinabé depuis 2017. Pour mieux exporter, les acteurs peuvent aussi miser sur le commerce électronique. Vous savez très bien que depuis l'apparition de la pandémie coronavirus, on a constaté que le marché traditionnel a montré ses limites à travers les confinements de la population, les mesures de quarantaine, les fermetures des yards et marchés. Donc du coup, le marché traditionnel a montré ses limites. Donc c'est pour cela qu'il était important aujourd'hui de sensibiliser les acteurs sur l'opportunité du commerce électronique au Burkina Faso et dans le monde. Le e-commerce peut offrir des débouchés aux acteurs du sésame pour l'écoulement de leurs produits. Foi de Boubacar Bilgo. Sachez également que le sésame occupe la 3e place en exportation parmi les produits agricoles de Burkina Faso. Plus de 14 000 biodigesteurs mis en place par le Programme national de biodigesteurs. Après 3 années d'expérimentation, les acteurs marquent une halte pour faire le bilan de cette phase expérimentale. Un nouveau référentiel devra aussi être validé pour améliorer les performances du projet. Alexis Belemnaba. Pour un objectif de 40 000 biodigesteurs, le Programme national du biodigesteur a réussi à mettre en place plus de 14 000 en 2 phases d'expérimentation. 3 ans après sa mise en œuvre, les acteurs du Programme national du biodigesteur sont en atelier en vue de valider un nouveau référentiel de développement pour les 5 prochaines années. Ce nouveau référentiel vise à créer les conditions d'une meilleure synergie d'action entre les experts des ministères en charge du développement rural et les autres secteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Le programme à lui seul ne peut pas prendre sur lui de mettre en œuvre toutes les activités. Et c'est pourquoi nous souhaitons qu'avec les différents ministères qui sont présents à cet atelier-là, on mutualise nos efforts et nos ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce programme-là et avoir les résultats qu'il faut. Pour mieux réussir ce programme, il faut compter avec les sociétés de production d'intrants agricoles comme la Société d'exploitation du phosphate du Burkina, principale productrice d'engrais sur le plan national. La collaboration entre les deux structures va en droite ligne dans la fabrication des intrants, notamment l'engrais organique, qui va contribuer vraiment à restaurer les sols et surtout à augmenter la rentabilité et les productions agricoles. Cette technologie permet aux acteurs du monde rural d'avoir de l'électricité, du gaz pour la consommation quotidienne et de fertiliser leur sol. Et cette technologie-là les permet d'accéder facilement à cet outil-là pour en tout cas les permettre d'avoir de l'électricité et de permettre de faire la cuisine. Et ça lutte aussi contre les changements climatiques parce qu'on n'utilise rien que les bouches de vache ou les crottins de porc pour pouvoir alimenter cette nouvelle technologie. Les premiers bénéficiaires de cette technologie en témoignent. Premièrement, bon, moi j'ai des étudiants qui sont là, qui dorment, ils ont la lumière, ça leur permet d'étudier et également ça leur permet
de faire la cuisson de leurs aliments. En plus de la cuisson de leurs aliments, quand le produit que l'on recueille avec le biodigesteur est très, très, très fertile pour l'agriculture. Les deux phases du programme ont montré que sa réussite exige l'engagement de tous les acteurs pour faire face aux changements du secteur. Il est donc attendu des propositions pertinentes afin d'élaborer ce nouveau référentiel. Elle n'avait pas pu être célébrée de manière populaire et festive l'année dernière à cause de la pandémie et de la COVID-19. Mais cette année, avec l'amélioration de la crise sanitaire, la fête de la musique va se parer de tous ses artifices. C'est ce qu'ont promis les organisateurs qui étaient face à la presse ce 15 juin. Innovation et surprise seront au rendez-vous. Les précisions de Abdou Azissari. Des artistes musiciens, il y en a de toutes les catégories au Burkina Faso. Certains sont bien connus du grand public et d'autres moins. Et c'est dans le but de mettre en lumière ces artistes moins connus que le festival Fête de la musique a été initié par des jeunes managers soucieux du bien-être des chanteurs burkinabés. Si l'édition 2020 s'est tenue uniquement sur un plateau télé du fait de la pandémie à coronavirus, la 16e édition, prévue du 19 au 21 juin prochain, s'annonce grandiose. Et vous le savez tous que l'année dernière, c'est un show télé qui a eu lieu en format télé. Et nous connaissons cette année notre ancienne formule, si je peux le dire ainsi, qui revient sous forme de festival et qui sera célébrée sur 3 jours. Et ainsi, 3 jours durant, les 19, 20 et 21 juin, sur le terrain du Stade de France, les meilleurs artistes du moment donneront de leur voix pour célébrer la musique comme il se doit. Environ une cinquantaine d'artistes se donnent rendez-vous à cette grande messe de la musique. 13 parmi eux se produiront exclusivement en live. Et à ce titre, nous pouvons citer des artistes comme Kayaroto, Aude, Sagaden, Kalam, Zedmo, Amiti Miria, Jean Zoé, Maï Lengani, Wendabo, Patrick Cablé, Don Char et le groupe invité qui nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est Magic Diesel. Et tous ces groupes feront montre de leur talent pour une fois de plus pour rendre la fête plus belle. La particularité du festival Fête de la musique 2021, c'est l'ouverture faite aux artistes de Bobo Dioulasso. Et à ce titre, nous pouvons citer des artistes comme Fetty Baby qui nous vient de Bobo Dioulasso. Voilà. Donc cette année, on a décidé d'aller à Bobo Dioulasso parce que la fête de la musique, ce n'est pas à Ouaga seulement qu'il y a des artistes. Donc on va expérimenter pour voir, certes, faire venir quelqu'un de Bobo Dioulasso. Vous avez 6 ou 7 personnes que vous faites venir de Bobo Dioulasso. Les promoteurs de l'événement se veulent clairs. Le choix des artistes programmés ne s'est pas fait par affinité, comme pourraient le penser certains. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Thank you.